parle, tu fais le sourd, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Tu vas à gauche, vas à droite, tu m'esquives, c'est pour ça que t'es devenu chelou. Maintenant t'es devenu bizarre, ah ah ah, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Make-up, tout va bien. On reste un peu dans le naturel, hormis le rouge à lèvres. Voilà, petit collier, qui, hop, trouver ça en petite place. Voilà. Bon, je vais répondre au message vite fait et on y va. On y va. Bon, j'ai répondu, let's go, je pose ça et c'est parti pour ce nouveau sujet, donc ce nouveau tournage, let's go. Aujourd'hui pour ce nouveau sujet j'ai décidé de mettre une nouvelle catégorie, enfin je sais pas si vraiment je vais mettre ça en catégorie, autant vous le dire, mais je vais parler de 10 exercices pour en finir avec les prises de tête, donc c'est à dire pour arrêter de se prendre la tête. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Je sais pas si vous le savez, mais arrêter de se prendre la tête est pour beaucoup d'entre nous un besoin. Car en effet, nos pensées est un immense endroit où se trouvent les prises de tête qui n'ont pas de fin. Donc si tu es toujours en stress, que tu as toujours des doutes qui traînent, sache que c'est épuisant. Et heureusement pour toi, il existe plein d'exercices qui permettent de s'entraîner jour après jour pour se libérer des pensées les plus noires. Donc, chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais donc vous aider sur la question de comment arrêter de se prendre la tête. Avez-vous déjà entendu parler du livre « Celle qui dit fuck » des sœurs Les Sages? Alors, je ne vais pas vous mentir, mais à l'heure où je tourne, je n'ai pas encore ce livre entre les mains. Mais apparemment, ce livre est un remède pour arrêter de se prendre la tête. Ben, écoutez, j'essaierai de me le procurer. Mais d'après mes recherches, le livre est sous forme de journal par une trentenaire adorable, drôle, généreuse, mais qui est prisonnière de ses pensées négatives. Bref, c'est une jeune femme qui sabote toutes les chances d'être heureuse. Et nous sommes beaucoup à faire pareil. Ce livre regorge visiblement de précieux exercices, car le personnage, d'après les échos qu'il y a eu sur le livre, la personne fait son enquête sur le bonheur et va aller à la de découverte en découverte. Je vais tout de même vous partager 10 exercices qui viennent de ce livre pour en finir avec les prises de tête. Souvent, on fait des petits trucs une montagne. Nous exagérons, nous dramatisons et on généralise. Donc, pour arrêter de se prendre la tête, il y a une règle à suivre, simplement celle des 5-5. Donc, si dans 5 ans, cet événement n'a aucune importance pour toi, n'y passe pas plus de 5 minutes de ton temps. Autrement dit, si tu sens que quelque chose te stresse, il te suffira de faire un pas de côté pour te poser la question: est-ce que ça aura encore de l'importance dans 5 ans? Oui ou non? Si c'est non, passe à autre chose. Respire et libère tes épaules du poids d'un stress qui te sera inutile. Donc oui, c'est aussi simple que ça. Car en finir avec les prises de tête, c'est apprendre à relativiser. Quand on se prend la tête avec des pensées négatives, on finit par ne plus croire en rien et surtout en soi. Donc, pour reprendre confiance en soi, il est important de se rappeler des belles pensées, de les laisser prendre la place et ainsi, cela fera taire le négatif. Car d'après une étude,
Il suffit d'avoir 50% de pensées positives dans la journée pour en finir avec les pensées négatives. 50%. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'avoir que des pensées positives, mais juste une partie du temps. C'est faisable. Pour t'aider à cela, il vous suffit d'avoir un endroit pour accrocher des belles pensées, car cela est important. Sur un tableau, par exemple, on peut parler d'un fuck it board. Vous pouvez également mettre des citations sur votre frigo, sur votre miroir, sur une table de chevet, dans votre voiture, au bureau, dans votre agenda, en fond d'écran, sur votre portable, partout où vous le souhaitez. Sachez donc qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Donc, s'entourer de phrases qui peuvent vous recentrer sur l'essentiel. Mettez-vous debout. Tenez-vous droit, avec les mains sur les hanches et bombez le torse. Ensuite, prenez une grande et profonde inspiration et affirmez haut et fort. Je suis fort, je suis puissant, je suis forte, je suis puissante. Je vous garantis que cela a un effet instantané. Vous pouvez, vous qui vous trouvez derrière votre écran, associez ce rituel d'affirmation positive durant une balade. Admettons. Je vous conseille d'enlever vos écouteurs, de vous redresser et de vous affirmer vous. Cela en silence, bien évidemment, sinon vous risquerez de faire peur aux passants. Je suis forte, je suis puissante. Je te conseille de t'entraîner tous les matins devant ton miroir. Regarde devant toi, dans les yeux, puis laisse ces mots s'insinuer en toi et ne fais qu'un avec toi-même. Sachez juste que vous êtes tellement plus fort ou plus forte ou plus courageux ou courageuse que vous ne le pensez. Mais tellement! Alors ne laissez pas vos pensées vous faire douter de tout cela. Arrêter de se prendre la tête, c'est arrêter d'être la petite fille ou le petit garçon exemplaire. C'est de s'affranchir du regard des autres et de la bonne conduite qu'il faut avoir. Désobéir, c'est se découvrir, c'est s'autoriser, c'est vivre. Alors oui, il y a désobéir et désobéir. Je m'entends. On ne vole pas, on ne violente pas. Parce qu'il y a tellement de choses que l'on fait tous les jours pour ne pas désobéir à cette image d'enfant exemplaire. Et si on s'autorisait à vivre, on ne doit pas être parfait, juste être nous-mêmes. Si on s'autorise à désobéir, qu'est-ce que tu ferais de différent aujourd'hui? Alors, pour vous aider à désobéir, demandez-vous parmi les personnes ou personnage de fiction qui peut t'inspirer la rébellion et inspire-toi d'eux. Fais comme eux, pense comme eux. Lâcher prise, c'est abandonner l'image que l'on veut donner de soi-même, aux autres. Donc, se donner le droit d'être soi-même, pleinement soi. Nous avons des habitudes qui nous emprisonnent. Dans notre vie quotidienne, nous ne laissons que de place aux surprises, notamment lorsqu'on se cache derrière notre téléphone. As-tu déjà remarqué, toi qui regardes mes vidéos, que dès que nous avons rien à faire hormis attendre et observer, nous nous ruons sur notre téléphone? Vous savez, comme si nous avions peur de nous retrouver avec nous-mêmes face à la vie qui bouge autour de nous. Pour cela, il faut arrêter les prises de tête, sortir de nos habitudes et prendre des risques. C'est ce qu'on appelle regarder la vie en face, d'accueillir ce que la vie a à nous offrir. Essayez de sortir de manière régulière sans votre téléphone. Prendre des chemins différents,
Regarde les gens autour de toi. Croise un regard et souris. Arrêter de se prendre la tête, c'est adopter de nouveaux réflexes. Quand nos pensées sont remplies de noir, que nous nous voyons sombrer dans une morosité, rien de mieux que de sortir s'aérer. Ne restez pas enfermés avec vos pensées. Je ne vous dis pas de faire une balade d'une heure, mais de 10-15 minutes suffisent. Sors, marche vite ou lentement. Lève les yeux, contemple le ciel, regarde ce qui t'entoure. Concentre-toi sur ta respiration. Et selon le rythme de tes pas, tes pensées se feront de plus en plus légères. Donc, arrêter de se prendre la tête, c'est apprendre à s'aérer pour redonner vie à nos pensées. Quand on se prend la tête, on se sent souvent seul. Car oui, nous croyons que ce qui nous arrive n'arrive pas qu'à nous. C'est totalement faux. Des situations embarrassantes, stressantes, ça arrive à tout le monde, tous les jours. Car nous ne sommes pas seuls face à nos pensées ou à nos angoisses. Nous en sommes tous remplis. Le fait de savoir en prendre conscience nous donne beaucoup plus de force. Et dans le livre que je possède enfin, les auteurs ont partagé une merveilleuse phrase qui peut absolument tout changer. Ça nous arrive à tous deux. Pour cela, je vous invite donc à terminer la phrase dans les commentaires. Et également à me dire qu'est-ce qui te stresse en ce moment. Qu'est-ce qui t'angoisse ou t'embarrasse. Tu peux également prendre une feuille et écrire cette phrase et de la terminer de toutes les manières que tu souhaites, en gros autant de fois que nécessaire. Ça nous arrive à tous deux. Lâcher prise, c'est avant tout arrêter de croire que l'on sort s'acharne contre nous. Mais c'est accepter de penser que tout le monde ne tourne pas rond et que malgré ça, tout va bien. En finir avec les prises de tête demande d'avoir un rituel pour s'endormir. Car, en effet, c'est le soir avant d'aller se coucher que nos pensées sont souvent les plus noires. Dans le livre, il y a une citation qui dit « Pourquoi dormir quand on peut passer la nuit à s'inquiéter pour des choses pas importantes ?» Et je vais vous dire, je la trouve tout à fait géniale car c'est tellement vrai. On sait que pour nous aider à nous endormir, il existe des applications ou même des petits objets. Des métronomes lumineux. En fait, grâce à un signal sonore ou lumineux, nous respirons de manière différente, plus lentement, plus profondément, et visiblement, cela fonctionne. Quand nous nous concentrons sur notre respiration, que nous la rendons plus profonde, nos pensées disparaissent. En plus, nous pouvons faire des exercices de visualisation. Si vous pensez à un endroit que vous aimez énormément, un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, aimé. Imaginez rentrer dans cet endroit. Que voyez-vous? Que sentez-vous? Qu'entendez-vous? Tandis que nous imaginons cet endroit aux ondes si positives, nos pensées disparaissent également, faisant place à un sommeil réparateur. Arrêtez de se prendre la tête. C'est de lâcher prise sur les autres, la vie et nos attentes. Pour cela, il faut suivre son cœur et ses élans. C'est répondre à ses propres questions. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est oublier les autres et nos croyances sur la vie.
c'est tout simplement vivre. Je vous partage une autre citation du livre qui dit « Quand je dis vivre pour soi, c'est surtout me focaliser sur ce qui m'apporte la joie dans mon quotidien, ce qui me fait sentir bien quand je me couche et exister quand je me lève. » Même si certains choix peuvent paraître risqués, même si mon entourage ne les comprend pas vraiment, cela peut sembler basique comme pensée, mais je n'oublie pas que je n'ai qu'une vie à vivre et que personne d'autre vivra pour moi. Donc, si vous vous libériez du regard des autres, que seriez-vous? Que feriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Prenez le temps de répondre à ces questions. Et bien évidemment, ne vous mettez aucune pression. Laissez votre cœur vous guider, en douceur et en toute bienveillance. Puis, en finir avec les prises de tête, c'est laisser les choses se faire naturellement dans la joie et l'amour. Cesse de vouloir. Accueille plutôt. Il y a une question qu'on se pose trop rarement et qui pourtant a le pouvoir de faire taire toutes nos prises de tête. Car on se prend la tête parce qu'on aimerait faire les choses bien, plaire à tout le monde. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie ne nous demande pas de jouer des rôles. Elle nous demande de jouer qu'un seul rôle, le nôtre. Alors, autant que vous le sachiez, nous sommes tous uniques. Tous. Alors, pourquoi vouloir être comme ceci ou comme cela? Sois toi-même, tout simplement. Sois entier. Et pour t'aider à être toi-même, accompagne-toi toujours de cette question. Et si je m'écoutais un peu plus? Je t'invite donc également en commentaire à terminer cette phrase. Et ensuite, lâche prise, sois toi, sois heureux. Voilà tout le monde la vidéo. Donc ce nouveau sujet est maintenant terminé. Je vais me dépêcher de terminer parce que j'ai quasiment plus de batterie. Et donc je vais aller la charger après avoir fait la fin. Donc je t'invite à lâcher un pouce bleu si ce nouveau sujet t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu arrives sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, bienvenue à toi. À activer la petite cloche si tu ne l'as toujours pas activée, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Et moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !